J'irai peut-être encore demain, j'irai peut-être encore dans 15 jours. Donc c'est un endroit que je fréquente couramment, j'ai une carte de membre pour y aller. Et quand on va de ce côté-là de la barrière, on voit forcément plus les choses de la même manière que vous. Je suis quelqu'un de posé, je suis quelqu'un qui est contre la violence. Pourtant, des fois, je déborde. Des fois, il y a des flics français, des flics belges, comme on vient d'en arrêter 250 dans un réseau en Espagne. Mais des fois, ces flics sont avant tout des papas, sont avant tout des hommes. Ils tournent la tête et des fois, il y en a que j'explose. Parce qu'ils ont été trop loin et parce que j'ai ce moment de dérapage où je ne sais pas faire autrement que d'essayer peut-être de le punir, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je cherche à ce moment-là. Mais je sais que j'ai besoin, il y a des rares moments où j'ai besoin de lui éclater sa gueule, j'ai besoin. Oui, mais vous savez, dans le domaine de l'horreur, il n'y a pas de limite. Vous savez, il n'y aurait pas la pédophilie qui serait pire qu'Auschwitz, ou Auschwitz qui serait pire du massacre au Rwanda ou ailleurs. L'homme, depuis tout temps, est capable des pires horreurs, et il y a des rédemptions. Et il faut s'attacher à ça. Il faut essayer de trouver dans chaque homme ce qu'il y a de meilleur pour essayer de sortir. C'est ce que fait cette femme dans la pièce de Mitch Hooper. Et c'est ça notre devoir d'homme. Devant l'horreur, on doit essayer de s'inscrire pour essayer de sauver. Oui, vous avez raison. Mais vous avez raison. Attendez, je ne suis pas le contestataire de service. Non, bien sûr. Vous avez raison, mais dans mon bouquin, une fois de plus, je réponds à votre question. C'est que. Il faut, vous avez raison de dire, il faut essayer peut-être de trouver des solutions, mais on était où quand ça a commencé? On était où? Quand moi je me faisais enculer avec mes potes, qu'on a sucé des bites, qu'on s'est fait torturer, vous étiez où? Tous ces gens qui disent, il faut faire quelque chose, il faut les sauver. Mais avant d'aider à les sauver, il faut pas oublier que pendant qu'on discute ici, moi je connais les chiffres, hein, il y a au moins 3 gosses qui se sont fait démonter là. Il y en a, avec de la chance, un qui est mort. Je dis avec de la chance parce que les tortures se sont arrêtées, il a de la chance d'être mort. Donc pendant que nous, on réfléchit à se dire, on va essayer de trouver des solutions pour les guérir, on serait peut-être commencé, il faudrait peut-être se dire, qu'est-ce qu'on va faire pour faire de la prévention et pour essayer de mettre un halt là ou pour essayer de réfréner le problème. Bien sûr. Alors, si on prend simplement un point de vue plus pragmatique pour faire de la prévention, pour essayer de trouver des solutions concrètes, c'est vraiment une formule un peu con, mais il s'agit de se poser des questions sur ce qui déconne dans cette société, qui fabrique ces tordus ou qui met en place les conditions de telles horreurs. Et c'est plus large que la pédophilie. Je pense qu'une société responsable se doit de regarder... Anne Gilderay ne date pas d'aujourd'hui. C'est comme les voyous, toute proportion gardée. Attention. Non, mais si j'ai bien compris, c'est pas l'argent et la vie facile qui est le premier moteur. Moi, j'ai plongé dans le banditisme, dans le grand banditisme, parce que je me suis dit à un certain moment, c'est le seul monde qui va me permettre la vengeance. Oui, donc c'est le seul monde qui me donnait les moyens, parce que là, il y a pas de limite. La motivation n'était pas l'argent, c'était bien la haine et le désir de vengeance. Oui. D'une société qui vous avait exclu. Oui, donc qu'est-ce qui déconne dans cette société qui exclut des gens comme vous, qui deviennent des bandits ou qui deviennent des tordus ou... c'est ça qu'il faut que nous... On regarde en face, et pour regarder ça en face, il faut essayer de comprendre. L'irresponsabilité, l'ignorance, l'égoïsme et le laxisme. Oui, mais en essayant d'exclure une partie du problème, on ne se met pas en face. Et surtout la non-attention à l'autre. On est d'accord sur la prison, sur l'exclusion, sur le fait de protéger les enfants, sur l'abominabilité... L'horreur de tels actes, je crois qu'on est tous absolument d'accord là-dessus. Mais ce qui serait peut-être intéressant, justement, c'est d'aller au bout de ses responsabilités et de regarder les choses en face, vraiment. De se dire, à partir du moment où ce sont des êtres humains, qu'est-ce qu'on en fait, d'où ça vient en nous, en quoi nous aussi on est responsable. Il ne s'agit pas de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire, je vais faire un petit chèque ou je vais dire à ma fille, attention, ouais. C'est des conneries ça. Une fois de plus, il y a un début de réponse dans mon bouquin avec une phrase magique que je dis, apparemment les gens, d'après, c'est toujours que mon expérience, les gens ont l'air consternés à partir du moment où ils deviennent concernés. Tant qu'on ne fait qu'en parler en réunion, on parle du voisin et de ceci, de gosse, ceci et cela, les gens ont ce détachement parce que c'est un sujet qui fait peur, parce que c'est quelque chose, parce qu'on se rend compte que ça peut être le tonton, ça peut être le grand-père. Est-ce que vous savez que 85% des pédophiles, c'est un membre de la famille? Dans ces 85%, 99%, c'est le grand-père, c'est le tonton. Donc quand on commence à avoir cette idée-là dans la tête, on commence à regarder son cercle familial d'une autre manière. On commence à s'inquiéter. Donc, si on fait une réunion de famille le jour de Noël, c'est un sujet qu'on ne va pas aborder. Ça va,
ça va un peu mettre un froid. Bonjour tonton, t'as enculé comme un gosse, c'est, ça ne va pas aller. Vous comprenez? Donc c'est un sujet. Mais justement, parlons-en en famille, réunissons-nous en famille et parlons-en. Montrer des pièces comme vous nous avez montré, qu'on montre ça dans les écoles. Parce que le fait de montrer ça à un enfant, de voir ça, déjà, si on peut déjà provoquer la démarche du gosse, si on a réussi à faire ça avec nous, moi, de l'âge de 6 ans jusqu'à 11 ans, j'en ai su, c'est des bites et j'en ai pris dans mon cul. Hein. Aujourd'hui, j'en parle avec des involtures, mais ça me touche toujours autant, mais je suis passé outre. Mais si on arrive à franchir ce cap, ou essayer, avant de découvrir qui est le pédophile, si on arrive d'abord à faire à ce que le gosse vient parler, parce qu'il y a des chiffres, qui font quand même peur astronomique, c'est que sur 100, je vais prendre 100 enfants, il n'y en a que 8 qui vont oser raconter. Sur les 8, il n'y en a que 6 qu'on va essayer d'écouter, et puis il n'y en a que 4 qui vont se retrouver au tribunal. Tous ceux qui sont derrière, ils se disent « Oh, wow, alors moi je ne dis plus rien, hein. Vous comprenez ? Je ne dis plus rien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. » Oui, vous avez 6 raisons. Je crois que un des secrets vraiment dans la parole, quand même, et dans le fait d'en parler, oui. C'est quand même étonnant que la question que les gens me posent de plus, moi, qui joue ce personnage, c'est comment tu as pu réussir à incarner un tel monstre. D'habitude, on me demande comment je fais pour apprendre tout ce texte. Et les gens sont gênés par le fait que j'incarne ce personnage, ce qui prouve à tel point, comme vous disiez, dans une réunion de famille, on ne va pas parler de ça, et ben dans un monde de théâtre, on va regarder différemment celui qui va jouer un monstre aussi humain. Parce qu'en fait, en discutant avec ces gens, je me rends compte que si vous jouez Richard III ou dans Le Roi Lear, celui qui crève les yeux de l'autre, c'est pas grave. Parce qu'il y a une distance, c'est pas nous, ou soit c'est au Moyen-Âge, ou alors au cinéma, Anthony Hopkins, Le Silence des Agneaux, c'est pas grave parce que le cinéma donne une distance et qu'il n'y a rien de réaliste dans Le Silence des Agneaux. Mais là, tout d'un coup, il y a une identification. Parce que je suis très gentil. Et dans la vie et sur scène, dans ce personnage. Et alors, les gens me trouvent sympathique au début. Et alors, tout d'un coup, ils s'identifient à moi, parce que je suis, ça rejoint un peu ce que disait tout à l'heure, je suis un être humain comme eux, et tout d'un coup, mon personnage est capable de telle monstruosité. Alors là, ça commence à les déranger. Donc, en tout cas, moi, je crois que c'est important de dire que le monstre n'est pas ailleurs. Que le monstre je partage est en nous. Ce que tu dis. Il se trouve, comme disait Anne, qu'on a fait les rencontres qui fait qu'on n'est pas devenu monstrueux. Je souhaite qu'il y en ait le moins possible, mais qu'en tout cas, ce n'est pas en mettant le monstre sur un... dans une cage. Une cage ou un pinacle, même. Dans une île déserte. Des cochons. qu'on va se protéger, même. Puisqu'il faut bien voir le monstre. Vous allez faire quoi, le tuer, alors ? Non, non, il faut le voir. L'exhiber, vous allez l'exhiber. Non, non, non. Il faut savoir, ce que vous avez dit tout à l'heure, 85%, c'est la famille. Quand vous entendez dans les médias, c'est jamais la famille. Rien que ça. C'est toujours le moniteur de colonie de vacances, le prêtre. Oui, pourquoi ? Et pourquoi ? Parce qu'on n'ose même pas, dans les informations sur ce genre, parce qu'il en faut un peu pour émoustiller, parce qu'à 20h, ça ramène du monde, on n'ose même pas raconter les histoires où c'est le père. Tellement c'est horrible. Donc il faut dire ce que vous avez vous savez, dit. Il faut dire qu'ils sont... Pour la promotion du deuxième bouquin, Parole donnée, parce qu'il parle quand même plus de ce que je fais, j'ai été dans une très, très, très grosse chaîne française de télévision, très, très grosse chaîne, où normalement je devais passer... Patrick Hendricks, les presses de la Renaissance, 2002 et 2004, le choix de la maison d'édition est-il fortuit, presse de la Renaissance ? C'est le hasard. Parce que c'est vraiment une renaissance, pour ce qui vous concerne. C'est le hasard, c'est une amitié avec ces gens, c'est une honnêteté vis-à-vis de ces gens, et... Voilà, c'est des gens très à part et voilà, il y a un coup de cœur. Et je resterai chez eux autant que j'écrirai et que j'aurai la chance d'écrire. Voilà. Votre premier livre raconte surtout votre enfance, la période. Le premier, c'est un testament que je voulais laisser pour mes enfants, pour qu'ils apprennent pas de la bouche de quelqu'un d'autre mon vécu. Donc mon associé m'a dit, écoute, écris un manuscrit et s'il t'arrive quoi que ce soit, je m'arrangerai moi pour le remettre pour qu'ils sachent. Et j'ai été faire une émission de télévision et on a parlé du manuscrit. Et bon, ils sont tous arrivés pour la voir. Et voilà, et c'est parti. Il est surtout question de votre enfance, de votre adolescence et de votre jeunesse dans la pègre à Bruxelles, vos années de prison. L'école du cul défoncé, comme je dis. L'école du cul défoncé. Ouais. C'est malheureusement vrai, mais bon, je sais que ça choque. L'expression choque, mais c'est ce que... Le second livre, c'est la Renaissance. C'est l'énergie que vous consacrez depuis maintenant une quinzaine d'années à lutter contre la pédophilie. Je ne sais pas si c'est une renaissance, je ne sais pas. Il y a des termes, moi, qui me dérangent un peu.
renaître, ça voudrait dire que je suis mort à un certain moment. Je pense pas que je suis mort, je pense que j'ai fait des mauvais choix. Et quand on fait des mauvais choix, ou quand on fait certains choix, c'est qu'on est toujours vivant, c'est qu'on a toujours cette lucidité. Donc je sais pas si c'est renaissance... Vous étiez mu par la vengeance contre ceux qui vous avaient fait souffrir. Encore, vous savez, j'ai encore ce sentiment de vengeance. J'oublierai jamais. On le sent. Je ne peux pas oublier. Ni pardonner. Pardonner, c'est un luxe que je ne peux pas m'offrir. Chacun son boulot, je ne pense pas que chacun sa place. C'était curieux que le débat commence par le thème du pardon, d'ailleurs, qui est plutôt vers la fin du débat éventuellement abordable, alors même qu'on n'a pas encore vraiment entendu le témoignage de Patrick Hendricks. Oui, mais il y a un problème de fond quand même dans ce que disait Yvan, et j'aimerais bien moi qu'on revienne là-dessus, qui est quand même, si on ignore que le monstre est en nous, si on croit que le monstre est l'autre, et toujours que le monstre est l'autre, eh bien on finit par ne plus le voir. Et la mission du théâtre, c'est de montrer que le monstre est aussi en nous. Alors ce sont des petits monstres que nous avons, des tout petits, évidemment c'est pas des gros monstres comme ça. Mais il faut les percer. La mission du théâtre permet de voir les petits péchés qui sont là, les petites dérives, les petits... Parce que c'est difficile d'être un homme. Et alors c'est difficile d'être un homme déjà quand on vit dans une société où on a un peu d'argent, où on était bien éduqué. Bon, alors quand on était un peu moins bien éduqué, quand on était un peu battu, quand on est pauvre, quand tout ça complique, quand on est malade, quand ses parents sont malades, bon, tout ça complique. Et puis ces petits défauts, ces petites dérives que nous avons nous-mêmes. Moi, chaque matin, je me lève pour essayer de faire le bien, puis le soir, je me couche et j'ai fait du dégât autour de moi. C'est très difficile d'être un homme, très très difficile. Donc ces dérives-là, ben, quand la société s'en mêle, quand il y a l'injustice, quand tout d'un coup on n'est pas dans l'écoute de l'autre, quand on, bon, eh bien fait que le petit monstre que nous avons tous, eh bien devient un grand monstre et un gros monstre. Et puis si en plus à un moment donné, il y a quelqu'un qui veut lui couper la tête à ce monstre-là, qui veut l'éliminer définitivement, qui n'essaye pas de le racheter jusqu'au bout, de le sauver jusqu'au bout, de lui pardonner jusqu'au bout, eh bien il y a quelque chose de terrible dans la société. Et c'est pas du tout, je dis pas ça contre ce que vous avez dit, mais ça fait un peu peur, si vous voulez, pour l'essence que vous dites, parce que je crois que quand on est une victime, la première chose à faire, le pardon. Je crois que c'est la première démarche à faire. Ça commence, on doit commencer par travailler là-dessus. Je suis convaincu de ça. Vous allez demander à un gosse de 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, qui suce des bites qu'il prend dans son cul, vous allez lui réfléchir d'octroyer le pardon ? Il va grandir. Vous venez de quelle planète, monsieur ? Il va grandir. Il va... Un adolescent de 15, 16, 17 sûr, ans, que vous le tenez sûr. Ce langage, je veux bien que peut-être vous ayez une chance de le convaincre. Mais à 8 ans, quand on est torturé, on va faire bien caca sûr. Et qu'on saigne, qu'on croit qu'on va mourir parce qu'on est bien déchiré sûr, de l'intérieur, j'ai pas envie de pardonner, vous savez. Oui, bien sûr, à 8 ans. J'ai envie de deux choses. Ou de mourir pour que ça s'arrête. Bien sûr. Ou que ma mère, comme j'explique dans mon bouquin, venait me chercher. Parce que le temps que j'étais chez elle, il n'y a rien qui se passait. Je ne pensais pas au pardon, je ne pensais pas à Dieu, je ne pensais pas à lire la Bible, je ne pensais à rien. Je pensais à rentrer chez moi, me mettre en dessous de mon lit. On fait un genre de petit château, si vous voyez ce que je vous dis, et on se couche en dessous du lit et on se met en fœtus. Parce qu'on se rend compte qu'à partir du moment où vous cherchez la liberté étoffée, ça veut dire aussi que vous commencez déjà à vous rapprocher du moment où on vous ramène à l'école. Alors, à ces gamins-là, expliquez-leur le pardon. Vous êtes mal barré, vous savez. Vous êtes vraiment mal barré. Eh bien, pourtant, c'est... C'est notre devoir. Vous tenez un langage qui est valable pour des adolescents, pour des adultes, pas pour des enfants. Pas pour des enfants. Ils ne comprennent pas. Ils se sentent déjà tellement, tellement coupables parce qu'ils ont cette perversité de vous faire croire que s'ils vous enculent, si vous sucez des bites, c'est parce que vous avez merdé et que vous devez être puni de quelque chose. Ils arrivent à vous faire croire que tout le monde vit la même chose. Face à un enfant comme celui-ci dont vous parlez, la seule réponse, c'est l'amour. Il faut que l'amour soit à la hauteur du mal. Mais j'avais l'amour de ma mère, j'avais tout ce qu'il fallait. C'est ça, il faut tendre vers ça. Vous vous trompez, monsieur, vous vous trompez. Vous vous trompez. La seule réponse, on a c'est l'amour. C'est pas ma mère qui me sodomisait, c'est un étranger qui me sodomisait. Ça n'a rien à voir. Bien sûr, mais je ne savais quand même pas en plus lui demander de m'aimer, il m'enculait déjà, s'il vous plaît. Bien sûr, mais le fait de le tuer ne changera rien à votre souffrance. Je n'ai pas dit qu'il faut le tuer. Ou de l'éliminer, ou de le mettre sur une île déserte, ou de le mettre en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je dois accuser à faire quoi ? Je dois le laisser courir dans la rue ? Justement. Ou l'envoyer, peut-être l'envoyer à l'église ? Peut-être, c'est une solution, oui. Peut-être, c'est une solution. Je ne sais pas. Je pense que vous et moi, on ne sera pas d'accord sur le travail. Ça peut arriver, oui. Mais j'ai jamais eu la prétention de dire que j'avais des solutions. Moi, j'ai fait un choix dans ma vie à un certain moment, c'est que je me suis rendu compte qu'avec mon passé de voyou, avec mes connaissances de voyou dans le monde entier, j'avais le pouvoir d'en choper. J'en ai chopé. Aujourd'hui, j'ai la chance de dire que j'ai ramené 250 gosses chez eux à la maison. Pas tous vivants. Mais j'en ai ramené. Ici,
en accord avec la police française, espagnole, italienne, portugaise, et on en vient d'en choper 250 pédophiles qui étaient occupés à s'amuser. Et régulièrement, on a des chiffres. C'est vrai que ça paraît ridicule. Enfin, pour vous, c'est peut-être énorme, 250. Mais quand vous savez que sur un nouveau site Internet qui est impossible de trouver si vous allez sur un serveur, il faut être membre pour avoir les adresses. Quand vous savez qu'un site, en une semaine, a 1,5 million de connexions de langue française. De langue française. 250 arrestations, ça a mouru de rire. Mais pourtant, je me dis à chaque fois, c'est déjà ça. Et je continue, et c'est déjà ça. Et je pense pas au pardon. Je pense aux années de prison qu'on lui donnera jamais. Et jamais on lui donnera. Quand même. Ouais. Il y a quelques procès qui prouvent bien qu'il y a des gens qui sont condamnés. Lequel? Outreau? Angers, sur la quête en train. Vous avez vu ce qui se passe à Angers? Bah oui, j'ai vu ce qui se passe à Angers. On va voir combien d'années de prison ils vont prendre. Avec le langage que vous avez, allez chez les gosses qui sont fait enculer et tenez leur langage. Bien sûr. Mais vous savez que vous avez une chance sur trois qui vous crache à la gueule, hein? Oui, tout ça n'est pas contradictoire, d'ailleurs. Bien entendu. C'est évidemment pas la victime de faire la justice. C'est par qu'on fait avancer les choses. C'est bien qu'on ait ces conversations-là. C'est bien qu'on fasse comprendre aux gens que le problème existe. Mais je ne veux pas agresser les gens qui sont dans la salle non plus. Mais combien de gens vont rentrer chez eux? Ils vont parler de ce qu'ils ont entendu. Ils vont parler de ce qu'ils ont vu. Mais ils vont se lever demain matin. Ils vont en parler à leurs collègues. Mais ils vont se dire à un certain moment, et à juste titre, on doit faire quoi? Et comment? Et on doit aller voir qui? Et dans deux jours, ils vont oublier ce qu'ils ont vu. Et puis, ils vont voir une autre émission où ils vont se poser les mêmes questions, qu'on nous dise ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Chacun a sa place dans la société et chacun lutte à sa façon. Et monsieur, pas nécessairement contre un seul ennemi. Les ennemis sont partout. Croyez-moi que c'est pas l'ennemi, c'est le mal partout. L'ennemi, c'est l'horreur partout, pas seulement dans la pédophilie. Vous savez, je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, Auschwitz, c'est... Mais il y a plus grande horreur que la pédophilie, vous savez c'est quoi? C'est les gens qui savent et qui disent rien. Bien sûr. C'est les voisins. C'est la maman qui ose rien dire parce qu'il ne faut pas que ça entache la famille. Bien c'est sûr. Tous ces gens dans l'ombre qui savent pertinemment ce qui se passe. C'est ces assistants sociaux qui font semblant de rien voir. Ce sont ces psychologues complètement incompétents, parce qu'il y en a des chiés, hein, des psychologues incompétents, qui font encore plus de dégâts que la pédophilie elle-même. C'est cet ensemble de choses-là qu'il faudrait peut-être commencer à guérir. Parce que ceux-là, c'est des malades. Parce que ça s'appelle des mythomanes. Là, vous dénoncez à juste titre la lâcheté, la peur... Mais l'incompétence. Si ces gens-là arriveraient déjà à admettre... Enfin, je ne dis pas tous, parce que j'en connais. Il y a des bons, il y en a des bons, des excellents même. Mais si les incompétents commenceraient à se responsabiliser, à se dire, OK, je vais faire plus de conneries que de bien, je vais me retirer. Déjà, ce serait un premier début. Ah ouais, ce serait déjà un premier... Ces assistantes sociales qui sortent, qui n'ont aucune expérience. Moi, j'en ai vu qui m'ont cassé la tête. Je veux venir avec vous, je vais vous aider. J'ai dit non. Et à la fin, elle m'a pris la tête. J'ai dit, tu veux venir avec moi? Tu veux voir. Oui, je suis blindé, je suis préparé pour tout. Trois quarts d'heure, elle s'est chiée dessus dans la voiture, par les émotions. Parce que vous savez ce que c'est? Vous allez chercher un petit gosse de 6 ans, vous revenez, oh, mais oubliez sa tête, et vous retournez, vous allez chercher sa tête. On ne vous prépare pas à ça à l'école de... Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Et quand vous ramassez la tête d'une petite gosse que vous avez oubliée, qui était complètement déchiquetée ici, parce que le mec, il s'est amusé à la violer dans ses intestins, parce qu'il préférait la violer dans ses intestins, que le vagin. Vous croyez que je vais lui dire, je vais lire la Bible et je vais te donner le pardon? C'est pas facile. Hein. Et pourtant. Ah oui. Eh bien, vous savez quoi? Faites le pardon. Moi, je continue à faire ce que je fais. Mais... Bien sûr. Je ne suis pas sûr que vous ayez compris ce que voulait dire le pardon. Expliquez-moi. Le pardon, ça n'est pas l'inaction. Hein. Moi, j'ai l'impression que... Expliquez-moi. J'ai l'impression que tout ce que vous dites, vous êtes en train de vous pardonner à vous-même, peut-être des mauvais choix que vous avez faits. J'ai fait des mauvais choix. Quand vous étiez jeune. Ah, mais j'ai fait des mauvais choix. Oui. Mais le pardon, ça n'est pas l'inaction, c'est le contraire de l'inaction. Le pardon, c'est dire l'horreur, c'est dire la chose. On est bien obligé de pardonner quelque chose, on ne pardonne pas. Vous dites, c'est pas en priant... Il n'y a aucun rapport entre la prière et le pardon. Ce n'est pas ça, le pardon. Le pardon, c'est je dis l'horreur et ensuite je porte un regard sur cette horreur. Et ne pas pardonner, c'est aussi ne pas dire l'horreur. Et toutes ces mères qui ne parlent pas, et c'est parce qu'elles ne seraient peut-être pas capables de se pardonner. Tellement elles ont honte de ce qu'elles font en ne parlant pas. Et peut-être que si elles avaient... un regard plus fier sur elles, plus noble, elles sentaient qu'elles étaient capables de se pardonner, elles iraient voir la police et elles dénonceraient.
voyez, ce que je veux dire, c'est que le pardon, ça n'est pas l'inaction. Ça n'est pas l'oubli. L'oubli, c'est le contraire du pardon. Quand on oublie, on ne pardonne pas. Bien sûr. Le pardon, c'est une énergie, c'est une dynamique. Un travail. Et je trouve que ce n'est pas antinomique avec ce que vous dites, avec l'action. Il faut Dieu merci des policiers, il faut Dieu merci des gens comme vous pour dénoncer tout ça, c'est absolument évident. Là, on répondait à une question d'Anne Coutureau qui est fondamentale. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là après et de croire que tout d'un coup, ils ne font plus partie de notre humanité. Eh bien, il y a là une démarche qui est dangereuse parce que malheureusement, c'est aussi en nous. Ça veut dire qu'on s'exclurait déjà nous-mêmes. Il n'y a pas un être humain sur cette terre qui est impur, qui est un saint. On a tous en nous. Début d'horreur. Que ce soit bien clair, mon but n'est sûrement pas de vous agresser, c'est d'avoir une conversation pour essayer de faire avancer le schmilblick, et de réfléchir. Comme disait l'autre. Jusqu'à présent, on discute, et tout ce qui a été dit, je pense, a été dit avec beaucoup de pudeur et d'intelligence, mais une fois de plus, et j'ai laissé faire, parce que je commence un petit peu à roder les émissions de TV et de radio, j'ai laissé faire. Jusqu'à présent, on est tous en train de se casser la tête, de savoir comment est-ce qu'on peut soigner un pédophile. Comment est-ce qu'on peut découvrir un pédophile. Mais il n'y en a aucun de nous, qui a certainement qui a posé la question, on dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les gosses qu'on subit. Personne n'a posé la question. Personne ne se casse la tête de savoir après, il faut faire quoi. Si on a répondu, l'amour, il faut aimer encore plus, aimer toujours. Et après ça passe par des choses concrètes, aimer. Bien sûr, c'est bien ce que vous faites, vous. C'est ce que vous faites. L'intérêt que vous leur portez, le temps que vous passez. Non, parce que si vous voulez mes bouquins, moi, il y a trois règles quand tes parents viennent me chercher, parce qu'on a kidnappé leur enfant ou ils sont dans des sectes ou quoi que ce soit. Les trois règles que j'impose aux parents, sans ça je n'interviens pas, c'est pas de merci, pas d'argent, pas de revoir. Quand j'ai rendu les gosses, je ne veux plus jamais aucun contact avec la famille. Parce que les gens doivent se reconstruire et c'est sûrement pas avec moi. Ça, c'est un geste d'amour magnifique. C'est comme ça que je vis. Parce que je n'ai pas ce savoir et je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire pour reconstruire un gosse après. Et je ne veux sûrement pas, moi, devenir une référence, parce que ce qui a marché pour moi, je ne sais pas si ça marchait pour quelqu'un d'autre. Alors, dans le doute, abstiens-toi. Merci d'avoir pris un peu de votre précieux temps, d'être venu de Bruxelles pour nous accorder ce temps, pour ce témoignage. Avec vous repartez dès demain pour Bruxelles. Quand vous voulez, je reviens quand vous voulez. Nous n'avons, Dieu merci, pas chaque semaine un débat sur la pédophilie. On a quelquefois des spectacles plus gays. Mais faites en sorte que votre pièce soit diffusée, c'est important. C'est très important. Et avec les mêmes acteurs, c'est encore plus important. Et c'est tout ce qu'on voulait dire sur la parole. D'accord. Il faut parler. Nous agissons avec nos moyens de gens de théâtre, un texte, un metteur en scène aussi, et des interprètes. L'émission va s'interrompre pendant 2 mois, on le disait en introduction, en vous présentant tout à l'heure. On reprend le 7 septembre. Nous reprenons le 7 septembre avec une nouvelle série d'émissions, toujours sur des sujets de société, toujours sur des sujets difficiles, des sujets qui dérangent, avec des acteurs qui incarnent avec beaucoup d'humanité des personnages monstrueux et donc qui nous dérangent beaucoup. Des personnages. La vie. La vie continue. Pas seulement monstrueux, des personnages, des hommes. Oui, alors on essaye de montrer toujours des hommes. On montre des hommes à des hommes. Voilà, c'est ça notre but. On va essayer, à partir de septembre, de continuer avec une petite prédilection pour Marivaux. Je pense qu'il y aura quelques pièces de Marivaux, ce qui ne surprendra personne. Et puis, je crois, des beaux textes. Il y aura le foulard que Anne Coutureau a mis en scène. Septembre, le 29 septembre, nous proposerons une pièce, le foulard, que vous avez mise en scène, puisque c'est la rentrée. Nous évoquerons ce sujet qui a beaucoup agité la France. Bonne soirée sur Direct 8. Ne quittez pas notre antenne. Dans quelques secondes, bonne nuit, présentée par Franck Ferrand. Rendez-vous le 7 septembre. Bonne soirée. Et merci.